Bonjour à tous et à toutes, c'est Livre à vous. Et donc oui, aujourd'hui nous allons parler de Five Nights at Freddy's Fazbear Fright de Fetch. Et donc oui, pour ceux qui voient, c'est lui l'animatronique Fetch. Et du coup c'est fait par Scott Cawthon, comme d'habitude, vous savez ce que j'en pense, Andrea Wagner et Carly Ann West. Du coup on voit que la couverture a été faite par Betsy Betterschmidt, donc je ne comprends toujours pas pourquoi, là je le montre directement, mais Lady Fitzy, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il n'y a toujours pas d'image. Mais passons, à part ce qui a été teasé pour les deux premières nouvelles, dont justement c'est nous avons du coup Fetch, Lonely Freddy, et du coup Out of Stock. Et qui n'a justement jamais eu d'image. Mais je ne montrerai donc pas les images, vu qu'elles ne sont pas dans le livre en lui-même, dans mon édition. Attendez. Je voulais montrer ça. Je voulais montrer un truc. Et justement, je l'ai vu passer. Je suis super. Je suis hyper fort. Comme d'habitude. J'en ai marre de moi. Voilà. You're welcome. Voilà. C'est vraiment un truc assez intéressant du livre, mais très à part. Par exemple, je peux déjà du coup le dire que Fetch est le deuxième numéro de la série de livres anthologiques, j'imagine, je peux dire, des Fazbear Fright de la licence FNAF, écrit par les personnes que j'ai dit, avec Scott Cawthon, comme d'hab. Et du coup, ça a été publié le 3 mars 2020. Donc oui, c'est près de 2 mois après le premier Into the Pit, comme j'ai pu le dire. Ces putains de bouquins sortent tous les 2 mois. Oui. Ouais. Il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup trop, même. En tout cas, du coup, là, je vais vous lire, comme d'habitude, le résumé. La série Fazbear Fright se poursuit avec 3 autres contes de nouvelles, ou des contes comme vous préférez, et glaçantes, pour garder même les fans les plus courageux de Five Nights at Freddy's ayant peur la nuit. Après des années, et du coup là c'est ce qui résume les 3 histoires en une. Après des années de coups de pied autour, Greg, Alec, Oscar sont prêts à prendre le contrôle de leur vie. Greg décide de mettre à l'épreuve la science controversée qu'il étudie. Alec lance un complot maître pour exposer sa sœur d'or, aux yeux, aux boucles d'or si vous préférez, pour la gosse gâtée qu'il pense qu'elle est. Et Oscar, toujours l'adulte miniature dont sa mère a besoin de lui, décide de prendre quelque chose qu'il veut, même s'il sait que c'est mal. Mais comme ces 3-là l'apprendront, le contrôle est une chose fragile dans le monde sinistre de Five Nights at Freddy's. Dans ce 2e volume, le maître de l'horreur Scott Cawthon tourne 3 sinistres nouvelles de différents coins du canon de sa série. Chaque histoire est livrée avec des illustrations d'accompagnement de la dessinatrice préférée des fans, Lady Fitzy. Comme dit, il n'y a toujours pas les dessins ici, hein, mais qui apporte à l'horreur, à la vie, de nouvelles façons surprenantes. Les lecteurs se méfient. Cette collection de contes terrifiants suffit à déstabiliser même les plus endurcis des fans de Five Nights at Freddy's. Donc encore une fois, oui, c'est très marketing. En tout cas, du coup, maintenant, je vais vous lire l'intrigue de ce qui se passe de la première nouvelle de ce Fazbear Fright qui s'appelle Fetch. Oui, parce que à chaque fois, c'est le nom de la première nouvelle qui est utilisée. Voilà. Non, je vais arrêter parce que je ne l'ai pas fait pour le précédent et ça va être n'importe quoi. Je sais que j'aimerais imager comme avec la BD. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois. Non, rien. Ah oui. Je n'avais pas montré, mais oui. Du coup. Il y a beaucoup de liens comme ça qui sont très intéressants. Donc voilà, je voulais au moins le montrer. Le lycéen Craig et ses amis Heidi et Cyril entre par effraction dans un Freddy Fazbear Pizza abandonné et trouve un chien animatronique nommé Fetch.
qui peut se connecter à votre téléphone pour vous aider dans vos activités quotidiennes. Greg essaye de l'activer, mais ça ne fait rien. Et il part une fois qu'il commence à se sentir flippé ou effrayé. Le lendemain, Greg commence à recevoir des messages texte ou SMS à partir d'un numéro mystérieux qui se révèle être Fetch. Et il se rend vite compte que l'animatronique suit tout ce qu'il fait. À l'école, Greg arrive à faire une mission avec son crush, Kimberly, sur Rex. C'est une science réelle mais controversée, et Fetch est impliqué comme en étant un. Excusez-moi. Il est excité et se précipite à sa maison sur son vélo, mais est mordu par le chien en colère de son voisin, qui l'avait attaqué une fois auparavant. Le lendemain, Greg trouve le chien mort dans son jardin, avec Fetch, simplement, après avoir envoyé un SMS, YW, ou You're Welcome, comme j'avais pu le montrer. Paniqué, il retourne dans le restaurant avec ses amis, où il explore un peu plus et trouve quatre animatroniques désactivés avant d'être chassé par Fetch. Une fois à la maison, Greg cherche des moyens d'obtenir plus d'argent pour ses expériences, y compris des textos à son oncle Darren sur s'il pouvait avoir son aide pour son Magic Finger Fleck. Darren a un doigt chanceux qui apporte apparemment bonne chance quand il l'utilise. Cherchez pas à comprendre, c'est magique, MDR. Greg va au lit et quand il se réveille, trouve un doigt à l'extérieur de sa maison. Il commence à se sentir mal à l'aise. Ses craintes sont confirmées quand il apprend que Darren est à l'hôpital en raison d'une attaque brutale d'animaux impliquant son doigt, ce qui provoque Greg à détruire et enterrer Fetch dans la colère. Le lendemain, un ami dit à Greg au téléphone que Kimberly est à sa recherche et que Greg s'habille pour aller la rencontrer. Il reçoit un nouveau texto de Fetch en disant simplement « va récupérer ». Greg se précipite chez elle pour l'avertir, mais ses parents appellent la police parce qu'ils pensent qu'il est fou et les traquent. Après avoir eu l'affaire aux flics, ou aux policiers si vous préférez, j'aime pas vraiment les policiers pour des raisons que j'ai un peu évoquées avant, mais je ne préfère pas les dire. Greg retourne chez lui et prend une douche. Une fois terminé, il est horrifié de trouver un cadavre couvert d'une couverture qu'il reconnaît instantanément comme Kimberly. Il vérifie son téléphone et trouve un nouveau message de Fetch. CU ou rendez-vous. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, maintenant parlons d'un adolescent qui s'appelle Alec, qui a toujours été intimidé par sa sœur Hazel, pensant à elle comme un enfant gâté. L'anniversaire d'Hazel arrive dans quelques jours, et elle prévoit de faire la fête chez Freddy Fazbear Pizza. Ou Fazbear Entertainment, mais c'est le nom du restaurant. Et je peux pas le montrer, du coup, puisqu'il n'y a toujours pas d'image. J'arrête. Une fois sur le site, les enfants voient le jouet en peluche Yar Foxy, qu'Alec et Hazel ont toujours vraiment voulu. Ils découvrent aussi Lonely Freddy, un jouet robotique qui est censé être un faux ami qui peut avoir une conversation simple. Après avoir tout mis en place, ils rentrent chez eux et quelques jours plus tard, la fête commence. Pendant la fête, Alec prévoit d'exposer enfin Hazel comme une gosse gâtée, en lui faisant avoir une crise quand elle ne peut pas gagner un billet Yark Foxy d'un ticket Tomando Game. Il a secrètement retiré tous les billets Yark de la machine. Cependant, le plan d'Alec échoue quand un billet Yark Foxy, qu'il a manqué, se coince sur les cheveux de Hazel, ce qui provoque chez les deux enfants à entrer dans une bagarre et se termine par Alec, qui a endommagé le jouet et s'enfuit. Après avoir exploré la pizzeria, Alec trouve une pièce cachée avec un jouet Lonely Freddy qui s'active et commence à lui poser des questions. Il commence des questions assez innocentes, mais deviennent lentement plus inquiétantes. Après qu'il cesse de poser des questions, les yeux du jouet brillent et Alec commence à perdre le contrôle de son corps. Il essaye de crier à l'aide, mais sa bouche ne fera pas de bruit. Il se détend et reprend lentement le contrôle de lui-même en entendant sa famille à proximité. Une fois qu'il est entièrement en contrôle à nouveau, il se redirige vers la porte de la salle, mais tout semble étrangement plus grand. Il court jusqu'à la salle des fêtes où deux enfants l'attrapent et le jettent au sol. Une fois qu'il se lève, il voit un autre Alec avec sa famille, ayant une conversation heureuse et normale,
avec les autres membres de sa famille. Un employé vient et sort le vrai Alec de la pièce, tandis que faux Alec lui fait un clin d'œil. Alec se voit alors dans un miroir et se rend compte qu'il est pris au piège à l'intérieur du Lonely Freddy, dit plus tôt. L'employé le jette ensuite dans une benne remplie d'autres jouets, Lonely Freddy, et l'enferme. Alec crie, mais se rend vite compte que les cris ne viennent pas seulement de lui, ils viennent d'une dizaine d'autres Lonely Freddy, tous avec des âmes individuelles piégées à l'intérieur d'eux. Voilà. Du coup, maintenant, la dernière qui n'a jamais été imagée, mais je n'imagerai aucune des nouvelles, puisque bah, c'est toujours pas dans le putain de bouquin. Et comme vous avez vu, hein, les images qui sont utilisées pour faire parler Fetch, je trouve que c'est très intéressant. Du coup, Oscar est un lycéen dont le père est récemment décédé et dont la mère travaille dans une maison de retraite. Oscar apprend qu'un jouet qu'il veut, le Plush Trap Chaser, un jouet mécanique qui est décrit pour se déplacer dans l'obscurité et geler dans la lumière, et geler dans la lumière, va être en vente. Mais il va devoir aller à l'école d'abord. Mais après l'école, Oscar se dirige vers seulement ce magasin, qu'il a encore le seul autre magasin qu'il a en stock, et rencontre ses amis Isaac et Raj, mais ils sont déçus quand il est annoncé que ils viennent de vendre le dernier. Cependant, Oscar entend les employés discuter de façon dont vient de retourner une peluche étrangement réaliste dans une boîte mutilée et qu'ils ne seront pas en mesure de la vendre en raison de cela. Malgré cela, Oscar se faufile devant eux et saisit le jouet avant de courir. Et du mail security avec ses amis. Une fois qu'il re rentre à la maison, il déballe et re remarque qu'il a des yeux réalistes et des dents jaunes. Et après avoir essayé de jouer avec elle, il se trouve qu'il ne s'allume pas. Quelques jours plus tard, Isaac et Raj reviennent chez Oscar et découvrent un minuscule Ixion à l'intérieur, à l'arrière de la tête de Plush Trap, ce qui donne à Oscar l'idée de charger le jouet. Après cela, une tempête massive commence. Et la mère d'Oscar appelle pour vérifier chez lui. Mais il entre dans une lutte, tout comme la tempête coupe l'appel et laisse les enfants dans l'obscurité. Ils vont prendre des lampes de poche quand ils reviennent et découvrent que Plush Trap est activé, comme il poursuit à la chambre à coucher. Il est sur le point d'attaquer Isaac quand ils se souviennent que le jouet se désactive à la lumière. Alors Oscar tient sa lampe de poche sur le jouet, tandis que le courant s'épuise rapidement. Ils sont en mesure de s'échapper. Les enfants sont finalement poursuivis au garage et où ils ouvrent à peine la porte et s'échappent de la maison. Une fois à l'extérieur, ils se souviennent qu'un train est à proximité et leur vient une idée. Ils courent vers les voies ferrées et esquivent à peine le train, mais Plush Trap est gelé par les lumières des trains et est détruit. Ils regardent en arrière sur les pistes et trouvent les parties dispersées de la peluche, ainsi qu'une mâchoire mutilée et des yeux humains. Les enfants rentrent à la maison et le lendemain, Oscar aide sa mère à la maison des soins infirmiers ou de retraite, comme vous vous en souvenez, ainsi de s'excuser pour le combat et l'histoire se termine sur une note heureuse globale. Voilà. On voit qu'il y a quand même des histoires joyeuses, donc pour le coup, je trouve que ça va, mais encore une fois, si on veut rendre ça flippant, c'est. Ça peut être assez bizarre. Mais je comprends encore l'idée, et comme vous voyez, il y a toujours le délire de rendre des pages sombres. Et c'est très intéressant, je trouve. Mais malheureusement, le fait de faire que ce soit pareil pour les premières pages de chaque chapitre, c'est dommage. Mais en tout cas, du coup, lisons maintenant cet épilogue. Un sans-abri seul s'appelle Grim, voit le Citrus tirer des morceaux du chasseur de peluche, des voies ferrées et les farcir dans un sac. Donc là, c'est pas Fetch, c'est là on parle bien de Plush Trap Chaser, le morceau de l'animatronique qui avait été détruit. Plus tard, l'inspecteur Larson re recherche Margie, propriétaire de 5 chats. Elle a hérité de la maison d'un homme qui est mort, qui l'a également employé comme babysitter de son fils Larson. De son fils Larson se retrouve dans une pièce vide avec un placard étrange griffonne follement avec un marqueur noir épais. Larson montre à Margie une photo de son plus récent rôle principal, ce qui entraîne une réaction étrange et de surprise. L'histoire se termine alors qu'il commence à l'interroger. Voilà. Du coup, on peut dire que les personnages humains, c'est Alec, Noisette, la mère d'Alec, le père d'Alec,
Dans la famille de Greg, on peut avoir Greg, Hilary, Steven et Damien. Heidi, Cyril, Manuel, la famille de Bergstrom, Kimberly Bergstrom, Monsieur Bergstrom, Madame Bergstrom, la famille McNally, Jake et Madame McNally, Monsieur Jacoby, les papas du parti, Jimmy, Charlotte, Everett Larson, sombre, famille Avila, Oscar Avila, la mère d'Oscar, Raj, la famille d'Isaac, Isaac et Jordanie, Avni, Madame Beasley, Monsieur Devereaux, Marilyn, Irvine, Tonya, Isaac, Kimberly, Margie, et du coup dans les animatroniques, bah du coup on a Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. On a aussi du coup Lonnie Freddy et Yark Foxy, et Fetch, et du coup on a Plushtrap. Ensuite, du coup, dans les petites anecdotes que je peux vous donner, c'est que Fetch n'est pas un animatronique ordinaire, car effectivement, il est capable de se connecter avec les appareils modernes et pirater leur système. Parce que oui, on parle bien que, que notre protagoniste avait un smartphone. Voilà. Et c'est même pour ça, hein, les images comme je vous l'avais montré. Oui, je fais ça puisque j'ai vraiment rien à imaginer pendant ça. Je suis vraiment désolé. En tout cas, du coup, c'est alors qu'il semble être fait pourtant dans les années 80. Il est implicite que Fetch a un dispositif de synchronisation en lui et qu'il fasse qu'il puisse se connecter à des appareils. Et du coup, j'ai pas parlé de ce que ça pourrait avoir comme circonstance dans l'or, puisque moi je m'en fous, je parle que de ces putains de bouquins. Du coup, aussi, Fetch, dans cette histoire, ne semble pas être au courant de ce qu'il faisait de mal et suivait simplement sa programmation, en fait. Ensuite, si Andrew possédait Fetch pendant l'histoire, les actes de Fetch sont très probablement la cause de la rage d'Andrew et de la programmation de Fetch commandant son âme. C'est aussi la deuxième histoire à avoir une fin ambiguë, disons, qui est laissée à l'interprétation, la première étant Conseways. Parce que oui, du coup, on ne sait pas ce qu'il fait avec Fetch à la fin. Comment il s'en débrouille, puisqu'il a quand même eu un cadavre à la fin. Et dans Conseways, bah, il a réussi à s'en sortir de la cave thoracique de Funtime Freddy, mais en même temps, elle a pu peut-être ouvrir ses cadeaux, mais en même temps, Funtime Freddy lui a peut-être couru après. On ne sait pas. Et du coup, Fetch, après son histoire, revient et est mentionné plusieurs fois dans les épilogues, joue un rôle de personnage très crucial dans l'histoire globale de la série Fazer Fright. Mais encore une fois, ça on le verra au fur et à mesure. Puisque je pense que c'est même pour ça que la couverture et même du coup le nom de ce Fazer Fright soit centré sur ce personnage, puisqu'il est assez important. En tout cas, dans Lonely Freddy, on peut dire que la plupart des enfants de la fête de Hazel n'ont pas été nommés, à l'exception d'une Charlotte. Ce qui rappelle, oui, Charlotte Emily dans les romans. Voilà, mais est-ce que c'est volontaire ou non, on n'en sait rien. Ensuite, la plupart des enfants. Pardon, je me répète. Contrairement à la plupart des histoires de Fazer Fright, où l'animatronique cible une personne ou un groupe particulier de personnes, là, les Lonely Freddy ont échangé le corps avec beaucoup d'autres enfants, en fait. Avec plusieurs d'entre eux, et rend dans le monde extérieur, dans les corps humains. Cela en fait la première histoire où la crise est largement répandue, plutôt que d'être exclusif aux principaux protagonistes. Ce que je veux dire, c'est que avant, c'était toujours tel personnage qui vivait ça. Là, on voit vraiment qu'il n'y a pas juste Alec qui a vécu le souci des Lonely Freddy. C'est pas un cas isolé, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, maintenant, les petites anecdotes sur Out of Stock. Contrairement aux deux histoires du livre, Out of Stock n'a jamais reçu une illustration teaser de celui-ci, comme j'ai pu le dire. Et comme son homologue de jeu est Nightmare Ballon Boy, Plushtrap Chaser peut être arrêté par les lampes de poche. Ensuite, Plushtrap Chaser apparaît dans l'épilogue du livre où le Stitch Ross recueille les restes de celui-ci, ce qui est en fait la deuxième histoire à être intégrée dans l'univers connecté de toutes les histoires et des épilogues. La première étant To be beautiful. Ensuite, cela établit une chronologie des événements avec les épilogues Stitch Ross qui ont lieu tout au long de la fin octobre, début novembre, en raison de Out of Stock ayant eu lieu avant et pendant Halloween. Cela signifie
Cela signifierait également que les événements de To Be Beautiful ont lieu dans le courant de la mi-octobre, puisque l'incident de Sarah a été partout dans les nouvelles au cours du premier épilogue. C'est la deuxième, c'est même la, c'est la Out of Stock, pas To Be Beautiful, c'est la deuxième histoire à avoir une fin heureuse et édifiante, la première étant Into the Pit. Cette histoire aussi introduit le concept de Fuzzy Entertainment, non seulement d'être un restaurant familial, maintenant la vente de jouets que beaucoup d'enfants voulaient. Et en généralité, je peux dire que le livre a été publié plus tôt d'un salon du livre permettant des leaks. Mais du coup, moi, non, je. Comme j'en parle presque 3 ans, je dirais, après sa sortie, je crois qu'il. Ouais, il date de 2020, oui, voilà. Donc, fallait s'y attendre. En tout cas, du coup, encore une fois, ce livre est très intéressant. J'aime beaucoup la mécanique de faire parler Fetch comme ça. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait des bonnes fins, mais je préfère les fins libres à l'interprétation, même si du coup, là, toutes les histoires sont reliées. Et j'ai hâte de voir ce que ça pourra valoir dans la suite. Allez, demain pour la suite. Bye bye!